Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing de la reconnaissez? La Miss Go Box. Donc la box que je reçois tous les mois avec les produits menstruels, etc. Donc ce mois-ci, elle est décorée avec des cœurs, je pense, en faisant allusion à la Saint-Valentin. C'est tombe bien que c'est aujourd'hui. Donc elle arrive à point nommé. Je devais la recevoir avant le 15, donc c'est chose faite. Elle est arrivée le 14. Donc on va l'unboxer ensemble. Ce mois-ci, elle a quand même plutôt ramassé au niveau de l'emballage. Je pense que ça vient de la poste aussi. Voilà. Et donc, elle se présente toujours de la même manière comme ceci. Et nous allons voir ensemble le contenu. Donc, comme le mois dernier, elle a toujours ce petit papier rouge. Et donc, on a... Ah, ils n'ont pas pris en compte mon changement. Donc, on a des protections périodiques. On a les Always et les Nana. Voilà. On a toujours 4 lingettes. Excusez-moi, j'ai la gorge qui part en live là. On a 4 lingettes Intima, donc lingettes de toilette intime. On a, alors ce coup-ci, on a toujours les mêmes sachets de thé. Et on a, ils ont changé les gourmandises, on a des Quality Street. C'est la marque Werther, je crois, qui fait ça. Vous savez, alors je vais vous les. Je vais essayer de vous les déballer. Surtout casser, ça aurait été pas mal. Et alors la voix est en train de partir, je suis en train de muer dans cette vidéo. Donc ça se présente comme ceci, donc je ne peux pas vous dire quel goût c'est. Ça me rappelle, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Ça me rappelle la petite pub que je vois à la télé. Et donc voilà, donc là c'était le coffret donc premium parce qu'on m'avait demandé dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment les abonnements premium que je prends. Donc il y a la gourmandise, donc je prends le coffret premium anti-douleur, je perds la tête. Et donc dedans il y a la partie gourmandise et la partie anti-douleur, donc on a des sachets de thé. On en a ce mois-ci, on a 6 sachets de thé. On en a 2, 3 Happy et 3 Zen. Il n'y a plus les cocoons comme le mois dernier. Mais bon, je pense qu'ils ont compensé avec les friandises. Voilà, donc ensuite on passe au petit pochon. Donc ce mois-ci, on a une carte inspirante qui nous dit le seul alchimiste capable de tout changer en or et l'amour. Bah oui, à l'occasion de la Saint-Valentin, c'était plutôt beau. L'unique sortilège contre la mort, la vieillesse, la routine et la vie routinière, c'est l'amour. Ouais, donc ça veut dire que je vais mourir tôt, moi, parce que l'amour et moi, ça fait un petit peu deux en ce moment. Bref, voilà la petite carte inspirante du mois et on passe aux produits. Donc on a vu de tout casser. Donc ce coup-ci, on a un vernis de couleur saumon, on va dire, de la marque Essie. Donc voilà, donc c'est le 318. Donc 318, voilà. Donc la couleur est assez particulière. Ensuite, on a une huile à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est une couleur un petit peu plus claire que ce qu'on avait le mois dernier. Donc c'est Pompon Pink, c'est la 03. Voilà. Et en dernier, on a le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres de... Alors c'est... Donc toujours très joli de chez L'Oréal, le Balmain Instinct ce coup-ci. Donc j'en ai eu un violet en décembre. En janvier, je l'ai eu bleu. Ah, j'y arriverai jamais. Oh. Qu'est-ce que tu fais, mon thé? Qu'est-ce que je disais? Oui, en décembre, je l'ai eu violet. En janvier, je l'ai eu bleu. Et ce coup-ci, je l'ai. Une couleur assez particulière. Je ne sais pas si c'est un vert, kaki, etc. Donc voilà, c'est des couleurs que je n'utilise pas vraiment. Donc, excusez-moi, ma foi, c'est plutôt sympa. Mais je pense que cette couleur-là, je ne l'utiliserai pas. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!